Je m'appelle Théo Persico, je suis en troisième année au département Isère à l'IMT Minalès et en parallèle j'effectue un contrat pro. Mon contrat pro, je le réalise dans une entreprise de travaux publics dans le Var. Une PME. J'ai un rôle dans cette entreprise de conducteur de travaux. Le contrat pro en troisième année, ça permet déjà de rajouter un petit peu plus le milieu professionnel. Au bout de 5 ans d'études, on peut avoir envie de sortir un petit peu de l'école et de rentrer sur le terrain. Et puis c'est très formateur hein, parce que c'est comme un stage mais qui dure plus longtemps encore. Donc c'est très formateur au niveau professionnel et ça donne des compétences. Donc en tant que conducteur de travaux, dans les travaux publics et moi en particulier les travaux routiers, on va préparer les chantiers, donc répondre à des offres sur des marchés publics en général, préparer les chantiers. Et puis ensuite, gérer tous les chantiers pendant leur déroulement jusqu'à la livraison à la fin d'un chantier. Pour le coup, mon contrat pro est plutôt orienté BTP, travaux publics, et très spécifiquement pointé sur la route. Et la route, c'est une des matières qui est enseignée dans le département, notamment en deuxième année, et on a un projet qui est dédié à ça. Dans ma future carrière, je pense continuer dans ce genre d'entreprise, dans les travaux publics et les travaux routiers. Peut-être pas en France, mais partir à l'étranger pour aller sur des projets de plus grosse ampleur. Il y a quand même des plus gros projets avec des projets d'autoroutes dans des pays peu développés. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui construisent, qui ont de gros projets routiers et des projets d'aéroports. Donc c'est des projets qui touchent toujours au sol et à la route. Donc je pense partir en Afrique avec des entreprises et des grands groupes français qui sont présents là-bas.